La campagne Essa Samater vient répondre à une problématique majeure, notamment celle de sécuriser le droit à la propriété des populations locales en leur délivrant des titres fonciers officiels afin de leur permettre une stabilité foncière et renforcer le sentiment de sécurité. La SNI vient de lancer la campagne dénommée Essa Samater qui s'est faite en deux étapes. Disons deux phases. La première phase consiste à se faire enregistrer à la SNI avec les documents que les riverains ont en leur possession. La deuxième phase, c'est la levée topographique dont nous sommes actuellement. Cette phase consiste à faire des levées avec nos équipes pour déterminer quelles sont les personnes qui sont sur le titre foncier de la SNI. Nos équipes vont sur le terrain avec des personnes à qui appartiennent des parcelles. Ces personnes nous montrent la délimitation de leurs parcelles. C'est en fonction de ça que les topographes prennent les points. Les points permettront de déterminer qui est sur le titre foncier de la SNI exactement. Ce programme à fort impact social concrétise l'engagement des nouvelles autorités de la transition envers les populations de la dite localité. De mon point de vue et celui des riverains et du collectif que je représente aujourd'hui, je me dis on est satisfait pour le départ. Et à ce qui va suivre, je ne saurais le dire, mais pour le moment, nous le sommes vraiment pour la régularisation foncière de nos terrains. Aussi qui retient certains de nos collègues, les riverains et habitants, que le mètre carré nous soit revu à la baisse. Pour rappel, le programme Essa Samater vient poser les bases de la politique foncière de la région, garantissant ainsi une certaine stabilité et une meilleure intégration sociale pour les habitants d'Essa installés sur les titres fonciers de la SNI.